Hop, on est parti. On va jouer sur PB du 7-8 aujourd'hui. On va voir ce que ça donnera. Il y a une petite HBF. Je sais que H aime bien BF. Poppy aime bien armure. On va prendre Poppy armure. On va voir ce qu'on peut faire. Bon, le but de la journée, ça va être de tester des trucs et apprendre. Voilà, clairement. Le but, c'est vraiment d'apprendre des trucs. On n'est pas là pour faire que des top 1 et tout. Après, si on peut faire des trucs marrants, des légendaires et des trucs comme ça, c'est cool. Mais c'est pas le but non plus. Et hop, là, une belle. C'est une fire, let's go! Non, c'est jamais ça. Après, on va voir. J'aimerais bien un petit start gadgetine. Ah, voilà. Petit start gadgetine, là. Le troisième, c'est qui? Il y a Zoé, je crois, et Annie. Il me semble que c'est Annie. Le mieux, ce serait d'avoir Box Zoé. Je pense que Box Zoé, c'est très très fort. Le 3 gadgetine en early, c'est à Poppy 2. Et une Lulu, à mon avis, c'est très très fort. Voir peut-être un des meilleurs starts du jeu. Oh, Ramus avec de l'armure. On va garder hein. On avait un petit Jax aussi. Après Jax, j'ai tendance à pas vouloir trop jouer ça. Je sais que c'est broken et du coup ça m'intéresse pas trop de le jouer. Oh, regardez le ce que ça fait quand vous mettez une menace. Un threat. Vous voyez l'animation ou pas? Regardez. Ah, c'est trop stylé en vrai. Ah, ils ont fait un bon taf là-dessus. Ah si, c'est bon du tout, merci pour les 19 mois. Pense des augmentes de perso, moi j'aime pas trop. Après, à voir. À voir, parce que c'est pas le produit fini là, donc ils vont peut-être faire des modifications et tout. On verra bien. Mais en l'état, j'aime pas des masses. 20%. Tiny Titans, préparation. Bon, on va prendre Tiny Titans parce que le reste est un peu naze. Alors. On a Lux 2. Lulu 2 et un Ramus. Ouais, bon, bah on va slam une Sunfire, je pense. Hein. Sunfire, Ramus. Et c'est tout. Ça fait de l'affront. Et derrière, on met deux persos upgrade. Merci Flylin pour les 38 mois. Merci Suzy, merci pour les 11 mois. Merci pour le cast des worlds aussi clean que le Lee Sin. Tu sais qu'il va reprendre du service le Lee Sin, j'ai envie de rejouer à LoL là. Espèce de pré-saison. Il paraît que la jungle c'est broken mais... pas trop quoi penser. Marrant, c'est marrant Ramus. Mon adversaire à niveau 4. Hein. On va vendre ça, on va push, mettre ça. Ah, j'ai pas gardé Poppy. Bon, on peut mettre un civil en vrai, c'est ok. Ah, y a enfin, ils ont fixé le problème des dégâts. Là. La dernière fois que je jouais sur PB, il n'y avait pas moyen de check les dégâts. Du coup, les games avaient un peu moins d'intérêt, je trouvais. Lux, c'est pas une unité de zinzin. Et pas sûr que le fait de reroll soit beaucoup mieux. Après peut-être qu'avec un blue buff et en full Star Guardian ça peut être marrant. Y'a peut-être un bail à explorer. Avec des spell slingers. Parce que les Star Guardian quand on met beaucoup ça commence à être vraiment pas mal. On verra. On verra, j'ai pas envie de tester trop vite mais Là on peut rentrer du Star Guardian. Faire aussi de l'écho.
madness. Ah ouais, en pré-level hein. C'est très fort Nil. Oh non, il va me grab. Je rigole. Hop là. Hop là boum. Hop là. Oh putain. Oh putain. Elle shield. Elle heal du 1350 avec un spell. Ah ouais. C'est fort Nila. C'est une sur les 21 mois. Ouh. Qu'est-ce qu'on fait de cette tier? On fait blue buff? En vrai, il y a beaucoup d'holders de blue buff dans cette méta. Toujours sympa de faire blue buff. Oh, le vilain Rammus. Mais ça. Bon, après, on peut faire quoi? Une belle. Cloak. Dans le doute, ceinture, j'aime bien. C'est quoi la taille? Oui, je sais qu'il y a une augmente. Ah, il nous donne. Il nous donne Zoé. En fait, j'ai envie de faire une rédemption et en même temps, je sais que je vais devoir garder cette tire pour faire un item mana. Dur la vie. Oh le poulet. On peut pas acheter. Oh. Star Guardian. Star Guardian. J'ai envie d'acheter Yumi, mais. Peut-être c'est la Rammus en trop, non? Là, j'aime bien le board là. Pourquoi on changerait ce board? C'était peut-être. Ah bah non. Non, j'aime bien ce board hein. 3 unités front avec une Nila, c'est vraiment fort. Vous savez ce qui est vraiment fort aussi? Un serveur qui fonctionne. Bon là c'est criminel par contre. Vas-y, première game je lance aujourd'hui. Ok c'est bon. Bon j'ai gagné le round. Throws her pizza at her target. Non mais c'est... Comment prendre cette unité au sérieux genre? Elle envoie des putains de pizzas mec. Merci sur Loka pour les 33 mois. De quoi traite? Ça fait rien. Ils sont là.
Ok. Est-ce que le fait de mettre une... Ouais, non. Ça réduit la dé, quoi. C'est Enigma pour les 2 ans. Oh là là, les 2 ans. C'est un joyeux anniversaire, ça. Oh là 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 là, Star Guardian emblème et une Rel. C'est parti. C'est l'heure de jouer Rel. Là pour le coup, on a, ça régale. Hein. La Yumi 2 en plus. Père de Ramus. Bellslinger. Je pense que la Space War Guardian sur genre une Leblanc ou quoi, ça pourra être vraiment très fort. Pour l'instant on prend la paire de Ramus, mais... On gagne ça, non? Il y a beaucoup de dégâts, mais... Enfin, beaucoup de tankiness, mais... Jouer genre une Soraka Star Guardian. Ah ouais, je perds comme ça là. Oh, c'est de Poppy. Talon. Ok, talon 2. Ok, ok. Surprenant. Vas-y, on vire Ramus. Ah, c'était peut-être une Lulu. Lulu Star Guardian. Ouais, c'était ça. En plus, elle est art. C'est sûrement ça, ouais. Oui, de prendre ça. Sinon, on pourrait prendre ça aussi, ça peut être rigolo. Ah, dommage. Bah, je sais pas, je vais revoir Warmog, je pense. Ah, ils veulent vraiment pas me laisser jouer mes trucs. Alors 20 AP, toutes les 3 autos, ça restaure 10 de mana. Donc ça c'est bien pour un perso qui a genre 40 de mana, non? Ah, c'est un peu bizarre, toutes les 3 autos genre. C'est littéralement moins fort que Shojin. Nice. Ça a l'air fort, Zach, quand même. J'ai pas trop lu les patchs dernièrement, mais... Les trucs qui ont l'air sympas, quand même. Hein. Oh, oh. L'overtime qui proc au bon moment, hein, on va s'en dire. Ok.
Je suis pas sûr que Shujin soit un bon item. Et du coup, Lulu avec une Spot Star Garden, c'est vraiment loin d'être ridicule. Ça, a priori, on gagne. Je dirais. J'ai l'impression que mes persos targetent des unités random. Le spell de luxe, il est vraiment toxique par contre. Hein. Pour un one cost. Je trouve que le spell de luxe pour un one cost, c'est quand même vraiment très très toxique. Hein. Elle envoie son spell sur un ennemi random. Alors déjà c'est random. Et ça réduit la dé de 40% pendant 4 secondes. Oh. Oh, c'est mal le poulet. Oh, le poulet niveau 2. J'ai envie de roll un peu. Ah, si je vais quand même ça une Shojin. Mais ça a l'air globalement quand même pas ouf hein. Oh, la Lulu elle va jarter mais bon. C'est incroyable ça. Ok. Attendez. Lulu out. In. Et du coup, son garde Sona. On joue plutôt le blanc. Le blanc est plus forte. Mais Sona elle donne heart. Et du coup on peut peut-être mettre le GS ici. Pas ouf. C'est rigolo Talia. Moi, ce que je retiens c'est que si t'as Rel 2 et une Space Star Guardian c'est globalement très fort comme compo. Chrono break, 2 secondes de stun, après 10 secondes de combat c'est quand même fort. Ouais.
Ouais, ça veut dire par exemple Yumi elle casse en 3 autos. On l'a vu le proc chrono break là, c'est rigolo. Elle permacasse la Yumi hein. Sona elle casse en 2 autos aussi. Ouais je pense que c'est juste une Soraka. Il y a un truc qui a l'air marrant mais... Bon on va juste prendre une tire. Qu'ils sont en vie? Non, même pas. Oh? Lux, deuxième OTK, Talia, deux items, troisième. Je crois qu'elle est morte assez vite, mais... Très mignon mais je me suis fait perfect hein. Ah, tu peux pas vendre des unités que t'as field. Ok. Virer le poulet? Non, il est trop bien le poulet. Les synergies qu'il donne, c'est incroyable. Je pense pas qu'on joue Kai'Sa. Some sort of big deal. I've trained for this. War mode, blue buff TG. War mode, spell crit, Hoge. Ouais.
Je pense qu'il faut juste roll. Juste roll Echo 2, Talia 2, on a gagné quoi. Merci Liam pour les 26 mois. Voilà, Mano. Ça a quand même l'air fort sur AK1. Non mais sur AK c'est illégal. Ah, ce perso est pas drôle. Non, en vrai sur AK je vous jure c'est pas drôle. Comment ça peut être aussi broken? Ton carré level 1 encore, mais peu importe. Faut que je le trouve niveau 2, mais bon. J'y roll, hein. C'est pas comme si je rollais pas. Tu vois ce que je veux dire? Je suis vraiment en train de roll. Mais des items en grabant des Urgot hein. Syndra c'est naze. Non, c'est vraiment pas naze Syndra. Je sais pas si tu vois mais depuis tout à l'heure elle ramène des Urgot du bench sur le board. Et les Urgot ça fait le taf. Tant lui il rend fou avec sa comp.
Mais y'a juste pas moyen de tuer cette merde en fait. Ah c'est illégal. Pas moyen de tuer cette merde. Ah, après 15 secondes de combat, alors il a ascension et en plus après 15 secondes de combat, elle fait des empowered à chaque cast. Eh ben. Mettre Urgot pendant le PvE, oui mais de toute façon ma Syndra va grave les Urgot. Je pense que Blue Buff Leona en vrai c'est un truc. On va fast 9 hein. Non mais ma Leona qui casse dans le vide comme ça là. Oh, je vais me faire défoncer là. Fiddle Sticks pas legit. C'est vraiment pas legit Fiddle. Bah super. Hier. Merci pour les 5 mois. Merci Bukenjo pour les 20 mois. Mon Fiddle fait R. Bah normal, il est niveau 1. Après il est là quoi. Bon, le mec avec les Soraka il est mort. Mais en 6 art. Ah non, il est pas mort. Non, mais tu peux rien faire, mec. En plus, il gagne 10 d'AP sur toute la team à chaque fois qu'il caste. Non, c'est rien. Elle est ingagnable. Tu dois voir les 9 et. Et je sais pas, genre prier. Attends, mais il fait vraiment rien en fait. Il profite pas de son. Il profite pas de son corrupt. Enfin, son trait là. Je pense que ma seule manière de gagner, c'est de stacker Leona. Là, on a une spat mecha. On la met sur un truc qui sert à rien. Et on stack la Leona. Genre Yumi elle sert un peu à rien.
En vrai, c'est. Je sais pas ce que je peux faire comme ça. Y'a legit rien à faire. Il a trouvé, ça va 4 ans. Someone's about to get hurt. Ah merde, j'ai vendu Janna. My bad. Je vais rien pouvoir faire. Hein. Peut-être y a un Fiddlesticks qui va clean ma team à chaque fois. Et Leona, c'est nul quoi. Enfin, elle est là, elle caste une cible. La cible meurt en une fraction de seconde. Bon bah. Ça sert à rien de jouer des compos 8 quoi. Je crois qu'il faut fast 9. Hein. Je sais pas comment ils arrivent à fast 9, genre. Ils ont rien de spécial, comment ils arrivent à fast 9 à chaque fois? Genre, qu'est-ce qu'ils jouent comme synergie qui leur permet de fast 9? Genre, le mec avait rien de spécial, enfin, il avait pas de board. Comment il a pu fast 9 acheter toutes les légendaires du jeu niveau 2 là? On dirait qu'il avait une game de dingue alors que pas du tout.